Ça a l'air de marcher. Bonjour à tous, donc je vous souhaite la bienvenue au nom de la Fondation BNP Paribas pour cette conférence sur les climats européens. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Masson-Delmotte, directeur de recherche au CEA, chercheuse au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, et depuis l'année dernière, coprésidente du groupe 1 du GIEC. Donc c'est un immense honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui. Donc, pour vous rappeler les règles, on fait 40 minutes de présentation et ensuite, le reste de la session sera réservé aux questions. On ne pourra peut-être pas prendre toutes les questions, mais il y a un échange qui se prolongera après, dehors l'auditorium. Bonne conférence à tous. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation à venir partager avec vous une curiosité en fait hein, pour les climats passés, pour le climat aujourd'hui, pour son évolution future. Alors on a mis en avant les climats pour l'Europe hein, et c'est un bon moyen en fait de vous parler également des relations entre le climat pour une région donnée et puis le climat à l'échelle planétaire. Donc je vais en fait essentiellement vous montrer l'intérêt de l'étude des climats passés dans cette présentation, mais le situer plus largement dans la manière dont on travaille pour observer, comprendre, anticiper l'évolution de cette formidable machine qui est le système climatique et qui produit en fait le climat de notre planète. Alors j'aime bien démarrer avec des repères un petit peu chronologiques. En parlant de l'histoire des sciences du climat, on entend souvent dire que c'est une science jeune. Moi, j'aime bien la faire remonter à l'Antiquité avec les marches graduées d'escaliers en Égypte ancienne qui servaient à mesurer la hauteur des crues du Nil. Et la hauteur des crues du Nil était importante puisque ça jouait sur la production agricole et aussi sur les recettes fiscales d'un des premiers États centralisés. Et pour gérer en fait la variabilité finalement de la production agricole et de ses conséquences, c'était important de connaître. Et pour connaître, il fallait mesurer. Donc le premier aspect de connaissance du climat, c'est cette capacité à mesurer. Et ça s'est structuré avec la construction des premiers instruments météorologiques au XVIIe siècle, qui ont permis en fait, d'établir des enregistrements de, par exemple, l'évolution de la température à l'échelle planétaire depuis le milieu du XIXe siècle. Alors des instruments météo pour mesurer les conditions à la surface des continents, mais aussi pour surveiller l'état de l'océan, mesurer sa température, sa salinité en surface et en profondeur, avec aujourd'hui de grands réseaux coordonnés de mesures, mais pour lesquels souvent on a des enregistrements assez courts. Par exemple, l'état de la circulation des courants de l'Atlantique Nord, qui joue un rôle majeur sur le climat de l'Europe, bien sûr, à travers son impact sur la direction des vents, le transport d'humidité. On ne la connaît précisément que depuis une vingtaine d'années et moins précisément depuis une cinquantaine d'années. C'est assez bref. Dans cette capacité d'observation, on a également les mesures par satellite qui jouent un rôle déterminant puisqu'on a enfin une capacité d'observer à l'échelle planétaire. On a aussi une capacité à observer, ce qui est très difficile d'accès. Et c'est grâce aux satellites qu'on a par exemple un suivi de l'extension de la banquise très précis depuis seulement le milieu des années 1970. Donc vous voyez qu'en fait, on a cette capacité d'observation actuelle qui progresse énormément, de plus en plus, mais souvent on a des enregistrements assez courts. Et bien sûr, on a une des questions importantes qui est de savoir dans les variations qu'on observe, qu'est-ce qui est exceptionnel, qu'est-ce qui fait partie de la variabilité normale du climat sur différentes échelles de temps. Et donc la capacité aussi à connaître les climats passés, non pas avec des mesures instrumentales directes, mais en utilisant les capteurs cachés que forment les milieux naturels. Donc les indices que laisse le climat dans les sédiments des lacs, avec les pollens européens par exemple, dans les grottes, où on a d'ailleurs des enregistrements précieux de l'évolution d'occupation humaine, des cultures humaines, les informations qu'on va tirer des sédiments marins ou des glaces, tout ça en fait forme autant d'indices qui ont été connus depuis assez longtemps par les naturalistes, et puis pour lesquels une science s'est construite, je dirais, essentiellement à partir du début du XXe siècle, pour arriver à extraire des informations précises, quantifiées, pour arriver à dater ces archives naturelles du climat, et vraiment sous forme d'une espèce d'enquête de détective géante, arriver à reconstituer en trois dimensions l'état du climat vers le passé le plus lointain. Donc je vais essayer de l'illustrer un petit peu. Et puis à côté de cette capacité à connaître, il y a bien sûr la partie comprendre. Donc quels sont les processus qui font varier le climat? Et souvent en fait ce sont des processus physiques qui sont assez bien compris. Une physique classique, principalement établie au XIXe siècle,
La physique des fluides qui permet de comprendre le fonctionnement de l'océan, de l'atmosphère, les transferts de rayonnement et l'effet de serre, ces bases physiques, elles ont été établies il y a longtemps en fait, elles ont été raffinées, mais elles sont bien établies. Alors ce qui est intéressant pour les chercheurs comme nous, c'est que c'est une physique bien établie mais qu'on applique à un système très complexe. Un système qui, chaque fois qu'on le perturbe, va produire des contre-réactions qui peuvent soit amplifier la perturbation initiale, soit la stabiliser. Donc toute la difficulté d'étudier le climat, de le comprendre, c'est de comprendre ces mécanismes de contre-réaction chaque fois que le climat est perturbé. Et en ce sens, je vais vous montrer en quoi les climats passés sont extrêmement utiles. Et puis sur la base de cette compréhension physique, on met en équation. On met en équation l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les échanges, de manière un peu simplifiée parce qu'on est limité par le temps de calcul, la puissance de calcul. Et ces modèles de climat, ces représentations simplifiées du climat de la Terre, c'est les seuls outils que l'on a pour explorer les futurs possibles. D'où une question essentielle, quelle confiance peut-on leur accorder? Est-ce que ces modèles de climat représentent bien la réponse du climat à une forte perturbation? Est-ce qu'ils représentent bien la vitesse de réaction? Est-ce qu'ils représentent bien des phénomènes de rupture? Parce qu'en fait, c'est ces vitesses de changement qui sont extrêmement importantes pour nous, pour nos sociétés, pour construire une adaptation intelligente, de sorte à effacer les effets négatifs d'un climat qui change et qui va continuer à changer. Donc on est dans le monde, je dis souvent, entre 20 et 25 000 chercheurs en fait, à travailler en sciences du climat. Il y a des milliers de publications, une recherche qui est au départ pilotée par la curiosité, l'envie de comprendre en fait, comment ça fonctionne, et puis évidemment qui croise de multiples enjeux sociétaux par rapport à notre influence sur le climat et par rapport à une vulnérabilité de nos sociétés par rapport aux évolutions du climat. Alors cette machine climatique, on la représente ici de manière un peu simplifiée, donc elle est formée de l'atmosphère, et dans l'atmosphère, on va transporter de la vapeur d'eau qui peut donner lieu à la formation de certains nuages, et puis selon le type de nuage qui est formé, on peut avoir des effets refroidissants ou réchauffants pour la surface, et donc on voit par là qu'on a des interactions entre des phénomènes de toute petite échelle, la répartition des gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace dans un nuage, et puis la réponse du climat à une perturbation. C'est un point dur, en fait, dans l'état des connaissances par rapport au fonctionnement du climat. On va avoir également l'océan. L'océan, avec sa capacité à stocker du carbone, à stocker de la chaleur, et puis finalement aussi à avoir une inertie, c'est-à-dire que la réponse de l'océan, elle va propager les perturbations, parfois sur un temps très long. On a également la surface des continents, avec la végétation et les forêts. Et quand on parle de climat européen, très vite, en fait, on va le définir par le type de végétation. Le climat méditerranéen, qui est associé à une végétation avec des oliviers, avec ce type de plantes, c'est une végétation qui est capable de pousser quand on a de l'humidité en hiver, des hivers pas très rigoureux, et puis résister à des étés relativement chauds et secs. À nos latitudes, on a une forêt tempérée qui est capable de résister à du gel en hiver, et des étés relativement doux. Et puis, plus on va aller dans les régions continentales, plus on va avoir d'autres assemblages de plantes en fonction des conditions climatiques. Alors, je parle des forêts parce qu'en fait, on a des informations nombreuses sur les variations passées des plantes grâce à l'étude des pollens déposés dans les sédiments des lacs, par exemple. Et un de nos enjeux, c'est arriver à comprendre les relations précises entre climat et forêt. Pourquoi ? Pour exploiter ces données des climats passés, où on n'a pas nécessairement température ou précipitation, on a type de forêt, et puis également parce qu'à l'avenir, l'évolution future du climat va jouer sur l'extension des aires des différentes forêts. Et l'échelle de temps des forêts, c'est l'échelle de temps du climat. Si on veut accompagner ces transformations-là, un arbre, ça a une durée de vie de 30 ans, 100 ans, plus, entre le moment où on manipule les forêts, en fait, et le moment où le bois va être récolté. Donc cette échelle de temps, elle est vraiment intimement liée. Alors ce système climatique formidable va en permanence réagir à des perturbations externes. Donc perturbations externes, ça peut être des facteurs qui vont agir sur la quantité d'énergie solaire qui rentre au sommet de l'atmosphère, le vieillissement du soleil à très très long terme, la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil, c'est le moteur des grandes glaciations. Et puis également, l'état de la surface. Si on a énormément de glaciers à la surface des continents, on va renvoyer une grande partie du rayonnement solaire vers l'espace. A l'inverse, si on a beaucoup moins de glace, on va l'absorber. Et donc on voit tout de suite que l'état des glaces à la surface de la Terre va
potentiellement amplifier ce type de perturbation. Et puis également, ce qui va compter, c'est la quantité de rayonnement infrarouge qui part vers l'espace, et donc l'effet de serre. Et l'effet de serre varie naturellement par les interactions entre l'état du climat, entre l'état du climat et puis la quantité de carbone stockée sur les surfaces des continents, la quantité de carbone stockée dans les océans. Et puis, nous perturbons profondément ce système aujourd'hui en injectant massivement des gaz à effet de serre d'une manière telle que c'est le facteur dominant d'évolution récente du climat. Donc en fait, tout ce qui touche au bilan d'énergie entre notre planète et l'espace va provoquer une réaction du climat. Dans notre jargon, on appelle ça des forçages. Mais le climat tout seul, sans aucune perturbation, va également produire une variabilité. Il y a une variabilité de la circulation atmosphérique d'un jour à l'autre, c'est la situation météo, mais même à plus long terme, il y a une variabilité spontanée des échanges d'énergie, d'eau entre l'océan et l'atmosphère qui va provoquer une variabilité d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, etc. Et donc, il y a tout un exercice qui consiste à comprendre ce qui fait varier le climat, à mesurer, à connaître l'évolution du climat à différentes échelles de temps, et à comprendre la relation de cause à conséquence. Si on observe un changement, est-ce que c'est spontané ? Ou est-ce que c'est une réponse amplifiée ou stabilisée à une perturbation bien identifiée ? Et ce cadre-là, c'est vraiment un cadre important. C'est ce qui permet de donner sens aux évolutions récentes ou aux évolutions plus lointaines. Et cette compréhension, elle va venir en particulier en utilisant les modèles de climat pour avoir une représentation de ce système-là et évaluer la réponse à une perturbation ou la variabilité spontanée, en comparaison avec les observations dont on dispose. Quand on regarde l'évolution récente du climat, en fait, on n'a qu'une réalisation. Il y a eu des perturbations qui se sont exercées, puis on a une réalisation. En fait, en théorie, on aimerait bien rejouer ça plusieurs fois, pour voir finalement la part qui était une réponse forcée, puis la part qui est la variabilité spontanée du climat, mais on ne peut pas le rejouer. Et donc les climats passés, ils nous donnent accès à ce qu'on peut considérer comme des expériences naturelles sur le climat de la Terre, avec différents types de perturbations, avec la possibilité de regarder différentes séquences de réponses pour arriver à comprendre le fonctionnement de ce système. Alors les perturbations naturelles, je vous ai parlé du vieillissement du Soleil, ça joue à très long terme. Les variations de l'orbite de la Terre, c'est vraiment le facteur clé à l'échelle de temps de plusieurs milliers d'années, à plusieurs centaines de milliers d'années, les variations de l'excentricité de l'orbite terrestre, l'axe d'inclinaison de la Terre et la position des saisons sur l'orbite varient régulièrement, tous les 20 000, 40, 100 000, 400 000 ans. Et ces changements de répartition de l'ensoleillement, c'est vraiment le moteur des grandes glaciations. Et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie avait été formulée par un mathématicien, le premier à calculer en fait, ces facteurs-là dans les années 1940, donc un mathématicien serbe, Milutin Milanković. Et la théorie, en fait, a été vérifiée quand on a eu 30, 40 ans plus tard la possibilité de dater les grandes glaciations passées. Et maintenant qu'on a également la possibilité de simuler ces grandes variations entre climat glaciaire et climat doux. Alors, on a également des activités comme, à très long terme, les éruptions volcaniques. Sur le très long terme, ça va façonner la composition atmosphérique. À plus court terme, les poussières des volcans vont avoir un effet refroidissant, mais de courte durée. Et puis, depuis quelques millénaires à quelques siècles, les activités humaines agissent sur le climat, au début par la déforestation, l'usage des sols, plutôt à l'échelle locale. Et puis, maintenant, à échelle planétaire, avec l'effet refroidissant des particules de pollution et l'effet réchauffant des rejets de gaz à effet de serre. Donc le système actuel n'est plus du tout un système représentatif de ce qu'il a été il y a 200 ans ou auparavant. Et puis donc le climat, en fait, en réagissant à ces perturbations qui sont toujours présentes, en fait, les perturbations naturelles, auxquelles se superpose l'influence humaine, eh bien, ce système climatique va aussi produire une variabilité avec différents temps de réponse. Par exemple, ce qui réagit très vite, c'est la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc, pour rappel, 1 degré de réchauffement, c'est 7% d'humidité que l'atmosphère peut transporter en plus. La formation des nuages, le profil vertical de température dans l'atmosphère, la couverture de neige, la couverture de banquise, ça réagit vraiment rapidement, parfois en quelques jours, quelques mois, quelques années.
L'océan de surface, il a plutôt une constante de temps qui va jusque quelques décennies. Et puis l'océan profond, c'est une constante de temps qui va jusqu'aux milliers d'années. Une incertitude majeure sur l'évolution future du climat tient à la vulnérabilité de cette circulation profonde en trois dimensions des océans. Alors, vous avez tous entendu parler du Gulf Stream. Donc, le Gulf Stream, c'est un courant de surface au niveau de l'équateur qui est lié à la rotation de la Terre, qui a toujours persisté. Et puis ensuite, on a près de l'équateur des eaux de mer chaudes qui vont être transportées par la dérive nord-atlantique vers le nord. Elles vont devenir plus froides, donc plus denses. Sur le trajet, il y a eu de l'évaporation. Donc ces masses d'eau perdent, le sel, elles sont enrichies en sel. Leur salinité augmente et elles deviennent aussi plus denses. Et de ce fait, on a des mécanismes de formation d'eau profonde avec des eaux de surface qui plongent en profondeur et des courants froids de retour au fond des océans qui bouclent une espèce de grand tapis roulant pour lequel le temps de parcours est à peu près de 1000 ans. Alors je vais vous montrer qu'on sait que dans le passé, cette circulation océanique a été marquée par des instabilités brutales, majeures. Et une question importante est de savoir si ce type d'instabilité peut se produire à l'avenir et si les outils dont nous disposons, les modèles de climat, sont capables de les représenter correctement. Alors j'ai parlé uniquement de l'océan, mais bien sûr, si vous avez des glaces qui fondent et qui font un apport important d'eau douce, ça va jouer un rôle majeur dans la réponse des courants marins profonds. Et ça fait partie des sujets qui nous intéressent aussi bien pour le passé que pour le futur. J'ai mentionné aussi ici les calottes de glace. Aujourd'hui, il n'en reste que sur le Groenland et puis l'Antarctique, principalement. Mais il y a 20 000 ans, lors de la dernière période glaciaire, on avait également une épaisse calotte de glace sur l'Amérique du Nord, sur l'Europe du Nord. Ça représentait à peu près deux fois le volume de l'Antarctique aujourd'hui. Et ces calottes de glace, on réalise de plus en plus qu'elles ont une capacité à réagir très vite en cas de perturbation, c'est-à-dire avec des eaux de mer plus chaudes qui vont les faire fondre à l'interface pour les parties flottantes, ou avec des conditions plus chaudes qui vont provoquer une fonte en surface, un ruissellement et parfois aussi un écoulement accéléré. Et puis ces calottes de glace, elles ont aussi un temps de réaction important. Et donc étudier les climats passés, c'est essentiel par rapport à ces composantes lentes du climat. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, l'océan profond, on sait l'observer bien depuis 20 ans, un peu moins bien depuis une cinquantaine d'années. Donc avoir des informations, même indirectes, c'est essentiel. Les calottes de glace, elles sont en train de reculer aujourd'hui, au Groenland et en Antarctique. Et savoir en fait à quelle vitesse ce type de recul peut se produire, combien de temps il peut durer en réponse à une perturbation donnée, ce n'est pas les observations d'aujourd'hui qui peuvent nous l'indiquer, c'est en tirant parti de grandes variations passées pour lesquelles on peut avoir des données indirectes, mais indispensables. Alors la modélisation du climat, j'ai essayé déjà d'expliquer qu'elle joue un rôle clé pour comprendre les mécanismes. Alors là, c'est par exemple une simulation où du jour au lendemain, on double la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors c'est ce qu'on va faire en fait, mais plus graduellement. Et on voit ici en fait que 50% de la réponse du climat, on l'a au bout de 100 ans. Et puis l'autre moitié, on l'a sur une échelle de temps qui est de plus de 1000 ans. D'accord ? Donc quand on prend en compte l'océan, l'atmosphère, la surface des continents, pas les calottes de glace, là, juste la partie climat, vous voyez que ça permet de montrer finalement un caractère un peu irréversible au temps de réponse du climat par rapport à la perturbation qu'on va faire. Donc ces modèles de climat, ils sont aussi essentiels pour donner sens par rapport aux changements passés. Par exemple, sur le réchauffement à la surface de la Terre depuis 1950, on estime que la plupart du changement observé est dû à nos rejets de gaz à effet de serre, un peu compensé par le rejet de particules de pollution refroidissante. Et toutes les études menées à ce jour concluent à ce même résultat. Et puis, ce sont les seuls outils, comme je l'ai expliqué, que l'on peut utiliser pour simuler les évolutions futures possibles. Alors si on regarde de quoi sont capables ces modèles de climat, on peut par exemple regarder l'évolution depuis 150 ans. Ce qui est observé, c'est en noir, température moyenne à la surface de la Terre. Et vous voyez que un ensemble d'une quarantaine de modèles de climat est capable de simuler un certain nombre de caractéristiques observées. Les coups de froid suite à des grosses éruptions volcaniques, comme ici ou là. Un climat relativement stable à la fin du 19e siècle, première étape de réchauffement au début du 20e, et puis ce grand réchauffement depuis les années 1950. Ce que ça montre aussi, c'est qu'on ne peut pas se focaliser sur une période courte d'une dizaine d'années pour parler de changement de climat. Par exemple, après 1998, il y a eu une relative stagnation
de la température à la surface de la Terre, même si la quantité d'énergie totale, en particulier dans les océans, continuait à augmenter. Donc ça a été décrit comme une forme de hiatus. On ne peut pas se focaliser sur une période aussi courte, en fait, hein, pour étudier le fonctionnement du climat. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec le gros événement El Niño de 2015 et puis celui de cette année, en fait, on est encore sur un record pour le début de l'année 2016. Bah, les observations se situent en plein milieu de la gamme de simulations. Et pour la partie récente, ces simulations, elles avaient été faites en 2005, en fait, hein, en mode projection. Donc vous voyez qu'on a également, néanmoins, une grande dispersion dans... En fait, j'ai plus de pointeur. Si quelqu'un a un pointeur laser, ça m'aiderait. On a en fait une certaine dispersion dans le résultat de différents modèles de climat. Et ça, c'est le résultat de l'ensemble de ces mécanismes de rétroaction que j'ai décrit tout à l'heure. Et en particulier d'une notion importante, qui est la notion de sensibilité du climat. Quand on perturbe le bilan d'énergie de la Terre au sommet de l'atmosphère, quel changement de température ? C'est ça, en fait, le concept de sensibilité du climat. Et chacun des différents modèles qui existent dans le monde donnera une réponse légèrement différente. Est-ce qu'elle est juste ? Là, qu'elle est juste ? Qu'est-ce qu'on peut tirer des climats passés par rapport à cette notion qui est en fait assez critique ? Et c'est une notion d'autant plus critique qu'elle aura d'autant plus de poids qu'on va continuer à perturber le système climatique. Donc vous avez là, vous l'avez certainement déjà vu, des simulations d'évolution future du climat. Si on fait baisser très rapidement nos rejets de gaz à effet de serre et qui deviennent quasi nuls après 2050, alors on aurait un réchauffement qui continuerait et atteindrait environ 1,5 degré ou 2 degrés de plus qu'aujourd'hui pour un climat qui se stabiliserait autour de ce niveau un peu plus chaud. Si on continue à rejeter davantage de gaz à effet de serre pour une stabilisation plus tard, un réchauffement intermédiaire, et puis si on fait le business as usual, qui consiste à exploiter toutes les réserves fossiles connues, pétrole, charbon, gaz, gaz non conventionnel, pétrole non conventionnel, on est capable en fait de tripler la perturbation des échanges de rayonnement, et dans ce cas-là, on s'attend à un réchauffement supplémentaire de l'ordre de 4 degrés d'ici à 2100, et puis autant dans les siècles suivants, parce que je vous l'ai montré, hein, le climat, il a un temps de réponse qui est très très long, qui est sur plusieurs siècles à plusieurs millénaires. Alors on a parlé de l'Europe. Qu'est-ce que ça peut donner pour l'Europe si on a 1,5 degré de réchauffement global ou 2 ou 4 ? Ben, vous voyez, dans tous les cas, pour l'ensemble des continents comme l'Europe, c'est un réchauffement plus important que la moyenne planétaire. Et puis plus le réchauffement global est important, plus le réchauffement européen est important. Alors il y a une structure spatiale un peu particulière. Le réchauffement en hiver, il est plus prononcé au nord-est de l'Europe parce qu'on perd de la neige. Et le réchauffement d'été, il est extrêmement prononcé sur le pourtour méditerranéen parce que dans cette région particulière, un climat plus chaud, c'est un climat plus sec. Et le fait que les sols soient secs favorise le réchauffement à la surface parce qu'on n'a plus l'évaporation qui permet de stabiliser la température à la surface terrestre. Et les mécanismes derrière ces changements d'évolution future, par exemple pour la baisse des pluies sur le bassin méditerranéen, qui est vraiment quelque chose de très caractéristique, et qui double, le risque de sécheresse en fait double, si le réchauffement global passe de 1,5 degré à 2 degrés pour la Méditerranée, c'est lié en fait à des changements à grande échelle de la circulation atmosphérique, ce qu'on appelle la cellule de Hadley, qui se décale un peu vers le nord dans un climat plus chaud, et qui amène de l'air plus sec vers les régions de type méditerranéenne en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Australie, etc. Est-ce qu'on est capable de simuler correctement ces processus ? Ces changements de circulation atmosphérique de grande échelle, ils vont aussi dépendre du réchauffement dans les tropiques des océans, qui met en mouvement verticalement l'air. La trajectoire des vents d'ouest qui apportent de la douceur au climat européen dépend fortement des gradients de température entre l'équateur et le nord de l'Atlantique. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que dans toutes ces simulations, on a en fait un réchauffement moindre sur le nord de l'océan Atlantique par rapport à d'autres régions. C'est parce que dans ces simulations, dans un climat qui se réchauffe, on a un léger ralentissement, ou un ralentissement plus fort, de cette grande boucle de tapis roulant océanique. Mais c'est une incertitude majeure. On a une énorme dispersion d'un modèle de climat à l'autre. Et pourtant, si on regarde dans le détail, c'est un facteur qui va avoir des impacts très importants sur le climat européen, et je vais essayer de l'illustrer rapidement. Alors, les climats passés, on peut les voir donc comme des expériences naturelles sur le climat de la Terre. On connaît les perturbations,
et on va analyser la réponse du climat à ces perturbations. Ça permet aussi de caractériser toute la variabilité spontanée du climat, au-delà des derniers 50 ou 150 ans. Et puis, on peut le formuler comme un banc d'essai pour ces modèles de climat. Alors, jusqu'à présent, la plupart des analyses, elles ont porté sur un climat qu'on appelle, entre guillemets, à l'équilibre. C'est-à-dire un climat relativement stable, où les perturbations sont relativement stables, comme le climat du dernier maximum glaciaire, il y a environ 21 000 ans. Donc, une teneur très basse en dioxyde de carbone, beaucoup de dioxyde de carbone stocké dans les océans très froids, des calottes de glace gigantesques sur l'Europe du Nord et l'Amérique du Nord, un niveau des mers beaucoup plus bas. Et puis, je vais vous montrer à quoi ressemblait en partie le climat de cette époque, bien sûr, beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Et l'enjeu maintenant, c'est aussi d'aller tester les vitesses de changement. Et c'est l'objet des travaux qui sont en cours dans le cadre d'un projet qui est soutenu par la Fondation BNP Paribas. Alors, pour illustrer ce qu'on apprend des climats passés, la notion de sensibilité du climat, c'est une notion clé. Combien de degrés de changement si on double la teneur en CO2 dans l'atmosphère ? Si vous regardez les modèles de climat, ils vous font une certaine gamme entre 2 et 4 degrés et demi. Si vous prenez les observations des derniers 150 ans que je vous ai montrées tout à l'heure, on a une incertitude énorme. Parce qu'on ne connaît pas bien tous les forçages, en particulier la quantité d'aérosols qu'on a émises et son effet sur les échanges de rayonnement. Si on prend même les derniers 1000 ans, la période historique, en fait, on a une incertitude énorme parce que c'est des toutes petites variations. Et donc, toute petite perturbation, tout petit signal, quand on divise les deux, ça produit une incertitude très grande. À l'inverse, si vous regardez le climat glaciaire, celui que j'ai illustré tout à l'heure, entre 3 et 8 degrés plus froid qu'aujourd'hui, vous voyez qu'en fait, c'est celui qui permet de donner la barre d'erreur la plus réduite sur vraiment une notion fondamentale de réponse du climat, avec cependant un point d'interrogation, à savoir si la réponse du climat à une perturbation elle est symétrique quand on va du froid vers le chaud, ou quand on va du chaud vers le très chaud, parce qu'on n'est pas dans les mêmes gammes, par exemple pour la formation de certains types de nuages. Donc ça fait partie d'une des lignes d'évidence essentielles, cette étude de climat passé, par rapport à la réponse du climat global à une perturbation donnée. Deuxième incertitude majeure, qu'est-ce qui se passe si en fait la fonte des glaces du Groenland de l'Antarctique s'accélère brutalement ? Elle s'accélère depuis une vingtaine d'années. On a quelques travaux récents qui suggèrent que le risque de déstabilisation de l'Antarctique doit être revu à la hausse par rapport à ce qu'on savait il y a quelques années. On ne peut pas exclure pour 3 ou 4 degrés de réchauffement de doubler le risque de montée du niveau des mers parce qu'on va déstabiliser certains secteurs de l'Antarctique. Ça, c'est une étude qu'on a faite avec un climatologue américain, Jim Hansen, où on a forcé en fait une fonte importante du Groenland et de l'Antarctique, on l'a imposée, et on regarde ce que ça donne d'ici à la fin de ce siècle sur le changement de température. Ce n'est pas tout à fait la même carte que tout à l'heure. Tout ne se réchauffe pas. Dans ce cas-là, en fait, on a certains secteurs qui subiraient en fait même des refroidissements de surface, et à l'inverse, on accumulerait encore plus d'énergie à l'intérieur de l'océan sous la surface. Si on a ce type de situation qui se produit en réalité, ça modifie complètement la trajectoire des tempêtes vers l'Europe, ça modifie complètement la structure du réchauffement du sud vers le nord de l'Europe en fonction des saisons. Et c'est également un phénomène qui est auto-amplificateur pour la fonte des glaces, parce que dans ce cas-là, autour de l'Antarctique, le refroidissement de surface, il masque un réchauffement des eaux de mer sous la surface qui va attaquer les parties flottantes par en dessous davantage. Donc c'est vraiment un enjeu majeur avec cette question de est-ce qu'on comprend le fonctionnement de cette circulation océanique profonde ? Est-ce qu'on le simule correctement ? Est-ce qu'on simule correctement sa vitesse de réaction à une perturbation ? Et on n'a pas encore la réponse aujourd'hui à cette question-là. Alors pour ça, donc nous on essaie de lire les archives du climat. Donc on va travailler par exemple avec des sédiments marins. Vous avez là une photo des caves du château du CNRS de Gif-sur-Yvette où ont été stockés des kilomètres et des kilomètres de carottage dans les sédiments marins accumulés depuis les années 1960. Et c'est en fait une banque de données extraordinaire. Et plus ces carottes sont étudiées et connues, datées, plus quand on s'intéresse à une question donnée, on peut aller chercher directement la période d'intérêt et refaire des mesures de plus en plus fines. Et c'est vraiment l'enjeu de ce qu'on veut faire maintenant. On va faire des mesures fines, par exemple, sur des analyses ultra précises de métaux rares, d'éléments traces, pour arriver à caractériser l'état de la circulation océanique dans le passé en trois dimensions.
On va également travailler, ici c'est un exemple de concrétion dans des grottes, de manière ultra fine et avec une possibilité de pouvoir mettre un âge très très précis sur ces échantillons, ce qui permet de voir aussi en relation les mouvements des populations dans le passé en Europe, les phases culturelles, en relation très fine avec les variations du climat européen. Alors un exemple de comment on peut utiliser les données du passé pour tester les modèles de climat, on prend le record de froid, le climat glaciaire, et vous avez là une compilation qui a été faite de données issues de pollen pour les températures du mois le plus froid, donc l'hiver. Donc des hivers beaucoup plus rigoureux lors de la dernière période glaciaire qu'aujourd'hui. Donc vous voyez le type de distribution de données dont on dispose. Et plus on va aller vers le récent, plus on va avoir d'enregistrements. Par exemple, du côté de l'Europe, pour l'Europe du Nord, on n'a pas d'informations quand elle était couverte de glaciers. Mais quand les glaciers se retirent, lors de la dernière déglaciation, on a des lacs qui se forment, qui vont enregistrer les évolutions du climat, des pollens. Et donc plus le temps passe, plus on a d'informations. Donc vous voyez un type de comparaison entre des simulations avec les mêmes modèles qu'on utilise pour le climat futur, pour cette période d'il y a 21 000 ans. Et si on regarde un peu finement, par exemple pour l'Europe, on voit que les reconstitutions, elles donnent une gamme de refroidissement en hiver très importante, de l'ordre de 15 degrés, et les simulations ne permettent pas d'atteindre un refroidissement passé aussi important. Pourquoi ? Donc il y a beaucoup de travaux en cours pour essayer de comprendre ce mécanisme. Il est peut-être lié au fait que les modèles de climat pour cette période-là ont tendance à sous-estimer le gradient de refroidissement entre l'équateur et le nord de l'Atlantique. Ça, c'est les changements estimés de température dans les tropiques. Ça, c'est les changements de température estimés au niveau de l'Atlantique du Nord. Et vous voyez que les petites croix de simulation, elles sont plutôt à l'intérieur de ces deux points issus des données des climats passés. Donc on a tendance à sous-estimer le gradient de température. Ça suggère qu'on n'est pas encore correct pour simuler correctement l'état même de la circulation océanique moyen il y a environ 21 000 ans. Et ça pose beaucoup de questions sur notre capacité à simuler correctement ce type, sa réaction dans le passé comme dans le futur. Alors, pour essayer de représenter un petit peu schématiquement ce qu'on peut tirer des climats du passé, mais aussi les limites, on peut regarder à l'échelle planétaire. Donc là, c'est l'évolution de la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Climat glaciaire, aujourd'hui, la perturbation anthropique et puis ce qu'on va faire ou pas à l'avenir. L'évolution de la température moyenne à la surface de la Terre, ici, on est, il y a 21 000 ans, c'est en moyenne à peu près 5 degrés plus froid. Le climat stable du dernier millénaire qui a permis l'émergence des populations sédentaires, en fait, par le développement de l'agriculture, etc. Le petit réchauffement des derniers 150 ans, et puis les évolutions futures possibles en fonction de combien de gaz à effet de serre on va rejeter dans l'atmosphère. Et c'est pas, on ne le regarde pas sur 100 ans, on le regarde sur 10 000 ans futurs, ici. Et puis enfin, l'évolution du niveau des mers, 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui, il y a 21 000 ans, parce qu'on avait ces énormes calottes de glace. Cette augmentation, un niveau des mers global très stable depuis plusieurs milliers d'années, une augmentation de 20 cm au XXe siècle, qui est déjà une rupture, et puis un risque d'évolution extrêmement important de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres si on déclenche une déstabilisation majeure des glaces du Groenland ou des glaces de l'Antarctique sur le très long terme. Et l'échelle de temps-là, on ne la voit pas, mais c'est 10 000 ans vers le futur. Donc en fait, la perturbation due aux activités humaines par rapport au rythme passé d'évolution du climat, c'est brutal. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est chercher les variations les plus brutales du passé. Et c'est là, on les trouve dans la dernière déglaciation. On les trouve à des moments où les courants marins profonds ont changé brutalement. Dans l'état de nos connaissances aujourd'hui, les variations les plus brutales au niveau planétaire, c'est de l'ordre de 1 degré par 1000 ans. Alors, ce n'est pas du tout le même rythme que ce qu'on peut avoir dans les siècles à venir, mais on veut utiliser des données plus fines qui ne sont pas encore aujourd'hui disponibles de manière synthétisée pour tester si on est capable de simuler les changements les plus abrupts qu'on a connus dans le passé récent. Alors, pour donner un autre exemple, on peut prendre le rythme de fonte des glaces. Donc je vous ai dit aujourd'hui 3 mm par an. En moyenne sur le XXe siècle, 2 mm par an, très stable dans les millénaires précédents. Si on regarde lors de la dernière déglaciation, c'était de l'ordre de 1 cm par an en moyenne. Et au moment le plus brutal, lorsqu'on a eu des débâcles des glaces qui ont aujourd'hui disparu, on atteignait 4 cm par an.
de montée brutale du niveau des mers. Je vous montre une étude parue par Nature de deux scientifiques américains qui ont fait la simulation la plus, à mon sens, approfondie de la calotte de l'Antarctique. Et eux simulent pour un réchauffement futur de l'ordre de 3 ou 4 degrés, une déstabilisation de nombreux secteurs de l'Antarctique qui pourrait conduire, d'ici à la fin de ce siècle ou au suivant, à des rythmes de montée du niveau des mers de plusieurs centimètres par an, de l'ordre de 2 à 4 centimètres par an. Et là, vous voyez qu'une telle vitesse de changement, on ne l'a connue dans un autre contexte, avec d'autres calottes qui étaient instables, qu'aux moments les plus brutaux de la dernière déglaciation. Alors, le climat glaciaire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La figure que je vous montrais tout à l'heure, avec ce climat glaciaire, ce long réchauffement, le climat stable des derniers 10 000 ans, c'est vraiment une estimation à l'échelle planétaire. Mais dès qu'on va regarder à l'échelle régionale, on a des variations beaucoup plus complexes. Alors, c'est illustré ici en comparant l'évolution des températures au Groenland en vert et l'évolution des températures en rouge depuis plus de 150 000 ans. Alors, je montre pour ces deux sites, parce que dans les glaces, on a de l'air, et l'air qui est présent, qui est piégé dans les glaces polaires, nous permet d'avoir une échelle de temps hyper précise entre les deux pôles, à quelques siècles près ou parfois moins. Donc on est certain là de ne pas faire d'hypothèse idiote sur le fait que des événements qui ont la même forme ont lieu en même temps. On peut vraiment regarder précisément si les événements qui se produisent des deux côtés de la Terre se produisent en même temps ou de manière décalée. Et vous voyez que pendant la dernière déglaciation, comme de manière systématique, on a en fait des mécanismes de bascule entre les deux pôles. On a donc, lors de la dernière déglaciation, un réchauffement qui démarre d'abord en Antarctique. Ça coïncide avec l'augmentation des rejets de CO2 de l'océan Antarctique vers l'atmosphère. Et puis ensuite, quand on a un réchauffement brutal du Groenland, on a un palier en Antarctique et vice-versa. Et ça correspond à des réorganisations du transport de chaleur par les courants marins à grande échelle, qui jouent un rôle un peu de bascule entre les deux hémisphères. Quand ces courants sont peu actifs, on a une accumulation de chaleur vers l'Antarctique, et quand ils se remettent en route brutalement, ils apportent de la chaleur vers le Groenland au détriment de l'Antarctique. Donc ce qu'on voit là, par ces simples deux enregistrements, c'est le mécanisme de cette grande boucle océanique et ses conséquences dans les régions les plus extrêmes aux deux pôles. Donc ce qu'on veut nous maintenant, c'est avoir sur la même échelle de temps l'évolution des températures dans les tropiques au niveau de l'Atlantique, la même chose dans l'Atlantique au nord, la même chose pour les évolutions de pollen et le climat européen, pour arriver à avoir une vision d'ensemble, des réorganisations très fines, à l'échelle de moins d'une vingtaine d'années, lors des variations les plus brutales du climat qu'on connaît. Donc pour ça, en fait, on se dote d'une nouvelle boîte à outils, donc en particulier par le soutien de la fondation BNP Paribas, qui complète d'autres sources de financement, pour faire une synthèse de données existantes dans plusieurs secteurs clés en Europe, des nouveaux outils pour dater, pour tracer ces variations à ultra haute résolution, pour modéliser les forêts et les traceurs qu'on mesure sur les archives naturelles, dans nos modèles de climat directement. Alors pour ça, en fait, on a un consortium d'un grand nombre de laboratoires autour de l'université Paris-Saclay, avec des spécialistes de la production de connaissances entre différentes disciplines en sciences sociales qui nous observent, des spécialistes de la biologie, de la physique, des climats passés, de la modélisation du climat et aussi de la visualisation de données. Et je vais vous donner quelques exemples des travaux les plus récents pour finir. Un exemple de synthèse de données, donc on a un site web en fait qui a été mis en œuvre et qui nous permet de naviguer de manière interactive dans l'ensemble des données qui sont déjà disponibles. Donc vous pouvez chercher sur une carte du monde, si vous êtes intéressé à ce qui se passe dans les océans, ce qui se passe à partir de l'étude des petits foraminifères ou des coraux, ou d'autres milieux naturels qu'on va trouver dans les océans, pour une période de temps donnée. Et là, par exemple, c'est une synthèse des changements entre 21 000 ans et 6 000 ans d'un des paramètres, le rapport entre les molécules lourdes et légères de l'eau, qui est un paramètre clé qu'on va utiliser dans un ensemble de milieux naturels. Et ce paramètre, on le met également à l'intérieur des modèles de climat, ce qui fait qu'au lieu de comparer une température à un paramètre un peu compliqué, on va comparer la même chose dans les archives naturelles du climat et dans ces simulations. Donc ça, c'est un premier élément de résultat. Un deuxième élément de résultat, c'est ce magnifique parc analytique, avec un nouvel outil pour faire des datations au radiocarbone, qui a été livré l'été dernier et sera inauguré cet automne,
un nouvel outil pour faire des mesures ultra précises, en particulier sur les sédiments marins ou les concrétions des grottes, qui a été inauguré en février dernier. Ça permettra de tracer la circulation océanique, la température des mers et son pH. Et puis un nouvel instrument dans lequel on peut introduire une carotte de glace et faire une mesure continue au millimètre près, ce qui nous permettra de tracer les variations du climat polaire très finement pour à la fois caractériser la température et aussi le transport d'humidité par l'atmosphère. Et puis pour terminer, on a également développé donc une méthode pour simuler les aires de répartition des forêts. Alors là, ce qu'on voit, c'est la mise au point pour le climat actuel. Donc vous avez l'observation, par exemple, de la répartition du hêtre dans les forêts européennes avec des inventaires. Alors, ce ne sont pas les hêtres qui ont été plantés délibérément pour faire joli dans les villes. C'est vraiment une estimation des forêts naturelles de hêtres présentes en Europe. Donc la densité importante, elle est en vert. Et là, c'est le résultat d'un calcul qui prend les simulations d'un modèle de climat et qui le traduit en photosynthèse par les hêtres. Et la qualité de la photosynthèse permet de définir si on a probabilité de présence ou pas d'une telle forêt aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a des performances qui sont tout à fait intéressantes pour le climat d'aujourd'hui. C'est la première étape, en fait. On a également donc la même chose pour le chêne, avec son aire de répartition dans toute l'Europe tempérée. On a la même chose pour l'épicéa, qui est davantage présent également du côté de l'Europe du Nord. Et donc cet outil, il est disponible maintenant. On va le brancher derrière des simulations des variations passées lors de la dernière déglaciation. Et on va enfin pouvoir confronter directement les données montrant des changements de pollen de ces différentes espèces avec le résultat de simulations climatiques. Dernier exemple de résultat, vous avez ici une des premières simulations qui a été faite sur toute une période glaciaire-interglaciaire, donc du passé vers le présent, le climat glaciaire, le réchauffement vers aujourd'hui, avec un modèle de climat simplifié qui représente le paramètre exact qu'on mesure dans les glaces du Groenland et qui nous permet de faire des confrontations fines. Alors là, ce qui est intéressant, c'est ce que vous pouvez voir, c'est que spontanément, dans cette simulation, on n'a pas de changement brutal des courants marins. Donc on ne simule pas toute cette variabilité qui est présente dans la réalité. Donc là, c'est une espèce d'état moyen lié au changement d'orbite de la Terre, à l'effet de serre naturel, à l'extension des glaces. Et ce qui est supplémentaire, ce sont ces instabilités brutales qui nous intéressent vraiment le plus et pour lesquelles on n'est pas encore tout à fait certain de bien comprendre les mécanismes de déclenchement spontané dans le passé comme dans le futur. Donc on est vraiment au moment où on peut comparer de manière transitoire ce type de résultat, ce qui n'était pas possible jusqu'à il y a quelques années. Donc les prochaines étapes, simuler mieux la circulation océanique glaciaire, simuler le début de la dernière déglaciation, simuler les réchauffements les plus rapides, quand on a eu aussi les déstabilisations les plus grandes des calottes de glace, confronter simulation et information des archives naturelles pour cartographier les vitesses de changement, est-ce qu'on est capable de le faire correctement ou pas, et puis évaluer la capacité de nos outils de modélisation par rapport aux changements passés les plus rapides pour l'Europe et en tirer les leçons par rapport aux risques futurs. Je vous remercie de votre attention. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions, bien sûr. Je pense que c'est l'intérêt principal de ce type de rencontre aussi. Oui. Merci pour cette présentation. J'ai une question en fait à trait à, je ne sais pas si ce sont des éléments qui sont importants, mais l'inversion des pôles, moi j'ai beaucoup lu là-dessus. Est-ce que ce sont des éléments qui sont importants dans vos modèles que vous mettez en place et est-ce que vous travaillez avec des équipes en fait dans ce sens? Alors, j'ai un de mes collègues qui est présent ici, qui est un des spécialistes de ce qu'on appelle le paléomagnétisme justement. Donc vous parlez en fait des variations du champ magnétique de la Terre et de la position des pôles magnétiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît à partir de l'analyse des vestiges du champ magnétique de la Terre dans un certain nombre de milieux naturels, comme des laves. Et il y a eu quelques études qui ont essayé d'explorer s'il y avait un lien entre les moments d'inversion de ce champ magnétique et le climat. Et pour l'instant, elles ne sont pas concluantes. En tout cas, à l'échelle des variations climatiques passées,
On a des variations glaciaires interglaciaires, on a des instabilités rapides, et on a exactement les mêmes caractéristiques qu'on ait ou pas de changement dans le champ magnétique terrestre. Bonjour, merci pour cette présentation, c'est hyper intéressant, du coup ça génère effectivement plein de questions, on n'aura peut-être pas le temps de toutes les aborder, mais ce qu'on voyait, c'est qu'à partir de 2000, on voit effectivement cette hausse de température, clairement apparaître et être très importante. Est-ce que c'est, à travers vos démarches, est-ce que vous avez aussi la volonté d'analyser les raisons qui font que ce climat, que les températures augmentent fortement? Est-ce que vous arrivez clairement à identifier les raisons pour lesquelles il augmente fortement? Et du coup, un peu ma deuxième question, ce serait dans l'objectif de ces études, est-ce que le but, donc, c'est éclairer effectivement sur ce qui se passe sur le climat, mais est-ce que c'est essayer un petit peu de stopper les phénomènes et trouver donc, en identifiant les causes, les conséquences, d'essayer donc de stopper ces phénomènes, ou simplement de prévoir les conséquences aussi et peut-être les anticiper? Donc là, on rentre en fait sur plutôt le débat de société quelque part. Donc la première chose, donc, dans l'évolution de la température à la surface de la Terre, il y a effectivement un réchauffement qui s'est accentué à partir des années 70 de manière spectaculaire, et c'est principalement la réponse à une augmentation très forte de l'exploitation des énergies fossiles dans le monde, pétrole, charbon et gaz, et avec une accélération des rejets qui se traduit par une augmentation de la concentration dans l'atmosphère et un effet de piégeage de chaleur en fait, par l'effet de serre supplémentaire, qui est la cause dominante de ces changements. Alors ça, c'est sur les tendances. Par contre, d'une année à l'autre, on a des variations dans la quantité d'énergie qui est stockée par les océans un tout petit peu et ce qui reste dans l'atmosphère. Et ça, c'est lié à des phénomènes naturels, en particulier du côté de l'océan Pacifique, un phénomène qu'on appelle El Niño. Donc ça, c'est la partie purement factuelle. Après, en fait, il y a deux grands enjeux pour nous, collectivement. Au-delà de l'enjeu de produire des connaissances, d'avoir du recul sur les outils dont on dispose, d'être capable de fournir des scénarios d'évolution future avec un degré de confiance élevé, finalement. Derrière ça, il y a deux grands enjeux. Le premier, c'est tirer parti des connaissances scientifiques pour se protéger des conséquences potentiellement négatives du réchauffement, voire dans certains cas, tirer parti des effets positifs. Et puis le deuxième enjeu, c'est, si vous voulez éviter de vous exposer à des changements rapides, c'est de le plus vite possible faire baisser les rejets mondiaux de gaz à effet de serre de sorte à stabiliser l'évolution future du climat. On ne peut pas revenir en arrière. Il y a une telle inertie dans la réponse du climat qu'on ne peut pas revenir en arrière. La seule chose qu'on peut faire, c'est stabiliser le réchauffement. Et pour ça, il faut que les émissions de gaz à effet de serre diminuent le plus vite possible et soient quasiment nulles. Et ça veut dire, en fait, déployer toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Ça veut dire faire de l'innovation pour construire les solutions qui pourraient être déployées dans 5, 10, 15, 20 ans, parce qu'il y a vraiment des ruptures qui seront nécessaires. Et ça veut dire aussi déplacer les investissements de sorte à favoriser ces solutions. Bonjour, merci pour ce brillant exposé, effectivement. Moi, j'ai une question d'un béotien qui n'est pas du tout un climato-sceptique, mais qui me tarabusque, c'est comment on différencie un gaz à effet de serre émis naturellement de celui émis par l'homme? Et comment on peut arbitrer ou débattre définitivement sur l'impact réellement qu'a l'homme sur ces évolutions dont vous avez très clairement démontré qu'il y a des origines naturelles et des origines humaines? Donc comment on différencie un gaz à effet de serre? Alors, par rapport disons, au budget de carbone dans le système climatique, on a des inventaires d'émissions assez précis. Quelle quantité on a consommé d'énergie fossile, quelle quantité de ciment a été produite dans le monde, quelle a été l'ampleur de la déforestation, ça c'est assez bien connu. Donc on sait à peu près ce qu'on injecte. Ensuite, on mesure une concentration. Et la concentration, c'est le résultat de ce qu'on injecte dans l'atmosphère, nous, et puis de ce qui est repris par la végétation et les sols, et de ce qui rentre dans les océans. Ce qui rentre dans les océans, on peut l'estimer assez précisément, en suivant le pH de l'eau de mer, par exemple. Donc ça, on peut l'estimer assez finement. Entre les deux, il y a un ensemble de méthodes scientifiques, en fait, pour estimer la quantité de CO2 qui a été reprise par les sols et la végétation. Et donc, par exemple, on a une grande confiance dans le fait qu'aujourd'hui, sur 100% de CO2 qu'on injecte dans l'atmosphère, il y en a à peu près un quart qui y reste, c'est ce qui fait monter la concentration, à peu près entre 20% et un quart qui est repris par les océans, qui deviennent plus acides, et entre 20-25% qui est repris par la végétation et les sols. Et ce terme-là, il est très fluctuant.
parce que la capacité des sols et de la végétation à stocker du CO2, ça va dépendre de la photosynthèse. Et pour qu'il y ait de la photosynthèse, il faut qu'il y ait des nutriments, il faut qu'il y ait de l'eau. Et donc en situation de sécheresse, dans différentes régions, cette capacité-là peut se réduire. Alors, de manière directe, comment on peut différencier du CO2 naturel et du CO2 anthropique ? On peut aussi mesurer les différents atomes, les caractéristiques des différents atomes du CO2, et en particulier le contenu en radiocarbone, en carbone 14. Donc le carbone 14, c'est quelque chose qui est échangé en permanence par les êtres vivants avec l'atmosphère. Et donc il y a une diminution, une fois que l'être vivant est mort, dans ces résidus, il y a une diminution assez lente sur plusieurs, sur un temps de quelques milliers d'années à quelques dizaines de milliers d'années. Et donc si vous brûlez une énergie fossile, le CO2 qui est injecté dans l'atmosphère n'a pas de radiocarbone. Si par contre c'est du CO2 qui est échangé avec la végétation, etc., il aura du radiocarbone. Donc en mesurant ce paramètre-là, on peut aussi, de manière indépendante en fait, vérifier que l'immense partie de ce qu'on injecte, de ce qui est dans l'atmosphère, vient de la combustion des énergies fossiles. Alors si ça vous intéresse, il y a un programme international qui s'appelle le Global Carbon Project, qui a un site web très bien fait, et qui vous montre tous les ans l'état des lieux au meilleur niveau scientifique international sur justement ce que je viens de décrire. Bonjour. Pas vu qui me parle. Ici, ah oui. Moi, merci. Bonjour. Je voulais juste signaler, puisque vous en parliez, que le Global Carbon Project est un des projets qui est soutenu par la Fondation. Mmh. Voilà, donc je rebondis sur ça. Et ma question n'était pas celle-là, évidemment. Ma question portait sur l'étude donc, que vous avez menée avec James Hansen, oui. Qui est une étude qui bouscule quand même un petit peu ce que le GIEC disait au préalable, oui. Puisque donc, si j'ai bien compris, elle fait un peu x2 sur l'élévation potentielle des niveaux de la mer, et puis surtout elle montre comment est-ce que l'élévation du climat peut être totalement en fait inversée, ou enfin contredite dans certaines régions, enfin, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, mais donc on voit cette carte où tout d'un coup sur l'Europe, en fait, on a plutôt une période très froide qui s'annonce devant nous. Non, en fait, c'est... Je vous laisser préciser après. Et ma question, effectivement, porte. Voilà, je serais preneur que vous précisiez un petit peu ce que dit cette étude. Ma question porte sur l'éventuelle intégration de cette étude dans la science climatique mainstream, je dirais, notamment dans les travaux du GIEC, et donc sur lequel, travaux sur lesquels s'appuient fortement les pays dans la négociation climat. Est-ce que cette étude va un jour modifier à votre point de vue, la façon dont les États négocient sur le climat, parce qu'aujourd'hui, ils le font sur plutôt une élévation constante de la température. Voilà. Et si oui, d'ailleurs. C'est vraiment une question très pertinente. Alors, je vais d'abord répondre par rapport au GIEC. Donc, le GIEC, lui, il ne fait pas de recherche. Il mobilise des centaines d'auteurs sur la base du volontariat qui ne sont pas rémunérés, qui vont faire une évaluation critique de l'état des connaissances. Donc ils vont prendre en fait ce type de publication comme les autres. Ils vont les passer à la moulinette de l'examen scientifique. Est-ce que c'est fiable ? Est-ce que la démarche est saine ? Est-ce qu'il y a une seule étude ou plusieurs qui vont dans le même sens, etc. Et après, en toute liberté, ils vont produire leurs conclusions, je dirais. Donc pour ça, en fait, ça va suivre un chemin qui est le chemin normal de l'évaluation critique de l'état des connaissances. Et c'est un article parmi beaucoup d'autres. Alors, le deuxième volet, c'est à quel point en fait c'était nouveau. Alors, c'est pas une étude qui apporte quoi que ce soit par rapport à l'évolution future du niveau des mers. C'est une étude où on s'est dit il est possible que le risque de montée du niveau des mers soit plus important que ce qu'on était capable d'anticiper il y a quelques années. Si on le prend en compte, si on suppose une accélération de la fonte, en particulier de l'Antarctique, qu'est-ce que ça fera sur le climat ? On l'a pris dans ce sens-là. Et à l'époque, on a été assez critiqué, en particulier dans le cadre du processus de relecture, en disant que c'était pas forcément plausible. Et en même temps, à mon sens, l'article le plus remarquable, c'est celui de deux Américains, DeConto et Pollard, dans le journal Nature, cette année, qui, eux, ont le modèle d'écoulement de l'Antarctique le plus sophistiqué qui existe, qui représente deux facteurs d'instabilité. Le premier, c'est que si on a des eaux de mer plus chaudes qui arrivent en dessous des parties flottantes, ça va les affiner, ça va faire un écoulement plus rapide. Et dans certains cas, quand le socle est enfoncé sous le niveau des mers, ça peut faire une instabilité de long terme. Et puis le deuxième phénomène qu'ils ont pris en compte, c'est qu'on ne peut pas avoir une calotte de glace qui ressemble à une brique de Lego. D'accord ? Une calotte de glace, en fait, elle se forme au centre, là où il neige, elle s'écoule, et sur les bords, il y a parfois des sortes de falaises de glace. Et ces falaises, en fait, elles ne peuvent pas être épaisses sans fin.
Quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas de falaise de glace de plus de 300 mètres. Parce qu'en fait, il y a des mécanismes d'instabilité. Sur le haut, ça fond, ça fait des crevasses, ça s'infiltre, et puis au bout d'un moment, ça s'écroule. Et personne ne l'avait pris en compte. Donc eux, ils ont rajouté ce processus-là, en plus de l'autre, et ils simulent effectivement une vulnérabilité bien plus grande de l'Antarctique pour 3-4 degrés de réchauffement qu'on ne savait avant. Mais eux, ils n'ont pris qu'une calotte de glace. Ils n'ont pas pris une calotte de glace qui envoie de l'eau douce dans l'océan et le changement de circulation et le retour vers la calotte de glace. Donc moi, je dirais qu'en fait, leur étude, elle suggère un risque vraiment beaucoup plus haut que ce qu'on connaissait pour l'Antarctique. Et ils ont testé leur chaîne de modélisation sur différentes périodes passées chaudes. L'étude de Hansen, elle montre que si on a des calottes qui fondent à ce point-là, il faut s'attendre à des contre-réactions importantes de la circulation océanique et du climat, mais on n'a pas encore bouclé les deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que dans les modèles de climat aujourd'hui, on n'a pas encore, de manière complètement interactive, des calottes de glace qui réagissent vite et qui peuvent être instables. Donc en fait, on a regardé deux morceaux de la même histoire, mais pas avec toutes les interactions, toutes les rétroactions qui sont possibles. Donc c'est vraiment la limite des outils dont on dispose qui est là. Et si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous en avez, est-ce que vous préférez qu'ils vivent dans un scénario à la James Hansen ou un scénario GIEC aujourd'hui ? Moi, je dirais qu'en fait, la question, elle a été résolue autrement. La question de qu'est-ce que c'est un changement climatique dangereux, ce n'est pas une question qu'on peut regarder qu'un regard scientifique, objectif, neutre ou autre. C'est quelque chose qu'il faut regarder dans un contexte vraiment politique, c'est-à-dire par rapport aussi aux capacités d'adaptation. Depuis longtemps, en fait, les pays européens, ensemble, avaient analysé que, pour nous, ce qui pouvait être dangereux, c'était en gros 2 degrés de réchauffement. Et les études récentes, elles montrent que 2 degrés de réchauffement, c'est pas forcément là où se déclenche complètement l'instabilité de l'Antarctique. Il y a une grosse incertitude là-dessus, potentiellement. Et ce que Hansen montre, c'est que si on a un déclenchement des instabilités de l'Antarctique, alors, même avec 2 degrés, parce que le réchauffement de surface serait moindre, on aurait des effets dangereux. Et puis, par ailleurs, à la COP21, en fait, on a plus de 100 pays, en particulier les plus vulnérables, les îles du Pacifique, les pays africains, qui ont, eux, dit et fait inscrire dans le traité que pour eux, le seuil de danger, ce n'était pas 2, mais 1,5 degré. Et les considérations, ce n'est pas uniquement le niveau des mers, c'est le niveau des mers, mais c'est aussi le risque majeur de perte de récifs de coraux tropicaux, même pour 2 degrés. C'est le risque d'augmentation du risque de sécheresse dans les régions tropicales et de vagues de chaleur très intenses dans les régions tropicales, quasi immédiats en fait. Donc c'est ces aspects-là qu'ils ont regardés, avec en plus la question niveau des mers, pas à horizon 2100 uniquement, à horizon 500 ans, parce que pour certains pays, c'est une question de disparition en fait. Voilà, donc cette question-là de qu'est-ce qui est le seuil de danger, etc., moi je pense que la réponse, elle a été apportée par ces 100 pays au moment de la COP21, de leur point de vue. Bonjour, j'ai une question qui peut paraître peut-être un peu simple, mais moi je n'ai pas la réponse. quand on parle de l'émission du CO2, c'est hyper sympa, les océans en prennent un peu et les forêts aussi. Mais qu'est-ce que, enfin, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. J'imagine que l'océan ne va pas pouvoir, de manière infinie, absorber 15% du CO2 qu'on émet. Et on voit déjà certains impacts de l'acidification des océans. Mais est-ce qu'il y a un moment où on ne pourra plus compter sur ces... En fait, c'est pas du tout une question simple, et c'est une question tout à fait juste. Et en fait, dans l'état de nos connaissances, dans un climat beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, l'océan est capable de stocker moins de CO2. Parce que la capacité de l'océan à stocker ne serait-ce que du gaz dissous dépend de sa température. Donc c'est presque ce facteur-là simple, en fait, qui joue déjà dans un premier temps. Et après, un océan beaucoup plus chaud, c'est un océan avec moins de mélange profond, donc moins de capacité à évacuer le CO2 de la surface vers les eaux froides profondes, où il est vraiment stocké pendant longtemps. Donc dans les simulations qu'on a, dans un climat beaucoup plus chaud, la capacité de l'océan à stocker diminue un peu. Et après, sur les continents, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où, dans certaines régions, les plantes elles bénéficient d'avoir plus de CO2. Ça peut favoriser la photosynthèse. Mais dans un climat beaucoup plus chaud, on peut avoir des effets de sécheresse potentiellement. Et dans les régions autour de l'Arctique, avec le dégel des sols gelés, on peut aussi avoir le flux qui change. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on stocke du carbone dans la toundra, on dégrade de la matière organique et on rejette du méthane ou d'autres gaz à effet de serre. Donc, en fait, l'idée que les milieux naturels nous rendent ce service, finalement, de récupérer la moitié de nos émissions chaque année, ces services-là vont être amoindris dans un climat plus chaud. Voilà. Et puis, c'est aussi au prix, en particulier pour les océans, de conséquences potentiellement très graves
sur un certain nombre d'écosystèmes marins, donc pour citer quelques-unes, les coraux d'eau chaude, très vulnérables à un ensemble de stress, température, acidification, pollution locale. C'est également le cas pour les bivalves, alors vous en mangez régulièrement, les bivalves, donc, et toute l'industrie de la pêche qui va avec, et pour un certain nombre de secteurs de la pêche également. Et donc, il y a eu des études récentes, en particulier avec un de nos collègues français qui s'appelle Jean-Pierre Gattuso, qui a passé en revue toutes les connaissances qu'on peut avoir par rapport aux océans, et qui a montré que même avec 2 degrés de réchauffement, on risque d'avoir des effets très négatifs pour la conservation en fait, de ces écosystèmes marins. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, le GIEC va faire un rapport spécial sur les océans, les glaces et le changement climatique. C'est suite à cette forte préoccupation. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation claire et complète. Vous avez mentionné le rôle des aérosols avec un côté atténuateur sur l'effet changement climatique et le fait aussi que le réchauffement ne peut être que stabilisé et non pas inversé. J'aurais aimé avoir votre avis sur les solutions de géo-ingénierie présentées, à la fois sur le côté changement climatique, mais peut-être aussi sur d'autres enjeux non pris en compte, comme la couche d'ozone ou des choses comme ça. Merci. Alors, dans l'idée de la géo-ingénierie, c'est l'idée qu'on puisse, à grande échelle, manipuler le climat à très grande échelle, de sorte à en tirer un bénéfice. Et dans les choses qui sont discutées, c'est par exemple d'être capable d'inverser en fait, les flux de carbone avec les surfaces continentales, en ayant des pratiques agricoles qui stockent du carbone à grande échelle, en reforestant. On peut voir ça comme une sorte de géo-ingénierie à grande échelle. Et puis, il y a aussi l'idée, cette fois-ci, plus... complexe, de perturber artificiellement le climat, soit en interceptant une partie du rayonnement solaire, soit en imitant des éruptions volcaniques, en injectant régulièrement, en fait, tous les ans, des particules dans l'atmosphère. Et donc là, il y a un certain nombre de climatologues qui ont considéré qu'ils devaient avoir une expertise sur la question, parce que la question, elle est aussi dans le débat public. Et donc, je vais essayer de résumer vraiment grossièrement leurs conclusions. Si on essaye de faire ça, c'est-à-dire imiter ces éruptions volcaniques, on est capable de masquer une partie du réchauffement de surface. C'est-à-dire qu'on peut continuer à mettre des gaz à effet de serre, on met des aérosols, et puis le changement de température est assez modéré. Par contre, ça change fortement la distribution des pluies, parce que si vous mettez ces petites particules, vous empêchez le rayonnement solaire de rentrer de la même manière, et vous pouvez assécher l'atmosphère dans certaines régions, par exemple les régions de mousson. Donc il y a des enjeux en fait, d'hétérogénéité de conséquences potentiellement très grave pour les populations qui dépendent de la mousson. Il y a des effets négatifs sur la destruction de la couche d'ozone en fait, autour de l'Antarctique. Et puis surtout, si on s'engage dans cette voie, on est obligé de le faire sans arrêt. Parce que le dioxyde de carbone, il a un temps de résidence très long dans l'atmosphère, donc quand on le met, il va y rester très longtemps. Si on masque ces effets en partie en mettant des particules de sulfate dans la haute atmosphère, celle-là, au bout de 2 ans, elle retombe. Donc si on arrête de faire intellectuellement cette action, ça veut dire qu'en fait, on peut s'exposer, si on arrête, à une réaction extrêmement brutale du climat, à l'effet de serre supplémentaire qui a été accumulé entre-temps. Donc c'est pour ça que ce sont des choses qui sont considérées comme potentiellement très risquées. Et moi, j'ai eu aussi des retours sur cette question-là de collègues biologistes qui ont aussi analysé des expériences un peu grandeur nature. Vous savez que quand on a navigué et exploré pas mal d'îles, involontairement, on a introduit des espèces, des rats, des lapins, des chats, avec des conséquences sur les écosystèmes locaux. Et il y a plein de retours d'expérience de ce qu'on a voulu faire pour essayer de contrôler ces espèces introduites en introduisant une autre, qui a généralement fait des effets collatéraux qui n'étaient pas ceux attendus au départ. Et je pense que c'est intéressant de tirer le retour d'expérience un peu de manière large sur les conséquences inattendues de ce type d'action. Alors en fait, sur cette question de la géo-ingénierie, des particules, etc., on peut aussi travailler sur les climats passés, parce que les périodes glaciaires étaient des périodes plus sèches, beaucoup plus de poussière dans l'atmosphère. Donc on a aussi des travaux qui se font sur cet aspect-là, pour essayer d'apprendre la manière dont le climat réagit à ça. Oui. Bonjour, j'ai une question sur les conséquences sur les végétaux par rapport au changement. J'ai entendu dire qu'il y avait des espèces qui pourraient disparaître, donc, à cause du réchauffement.
me répondre à ce sujet. Merci. Alors, donc moi, je ne suis pas biologiste, hein, mais ce que je peux préciser, c'est que différentes espèces, elles ont une certaine gamme de tolérance sur des variables qui sont liées au climat. La quantité d'eau disponible, les températures extrêmes chaudes ou froides. Et c'est ce qui est à l'origine de la répartition, en fait, par exemple, des grands types de végétation à la surface de la Terre. Et donc, quand le climat change, en fait, les zones, les lignes d'égale température, par exemple, elles vont se déplacer. La probabilité d'avoir des jours très froids ou des jours très chauds va changer. Et donc, toute la question par rapport à ces différentes espèces vivantes, c'est est-ce qu'elles auront la capacité à se déplacer à mesure que le climat change ou pas ? Et dans les travaux qui ont été faits, par exemple, dans le dernier rapport du GIEC en 2014, ce qui a été montré, c'est que pour beaucoup d'espèces, à l'exception, en gros, des graminées et de ce qui se déplace rapidement, un réchauffement climatique de l'ordre de 3 degrés d'ici à 2100, c'est parfois beaucoup trop rapide par rapport à leur capacité spontanée à se déplacer. Alors, c'est très hétérogène selon les espèces, selon les régions. Je ne pourrais pas vous donner des choses plus fines. Mais si vous allez sur le site internet du GIEC, ipcc.ch, et vous prenez le rapport, même le rapport de synthèse, il y a une figure qui montre très clairement quelles sont les espèces les plus exposées à un risque de disparition par une capacité en fait, de déplacement réduite. Et là où les changements dus à notre influence vont être les plus brutaux, quelque part, c'est en particulier dans les régions tropicales. Dans les régions tropicales, dans le passé, même lors des glaciations, les variations de température elles ont été assez modestes. Une période glaciaire dans les tropiques, c'est souvent 2-3 degrés de moins, parfois 4, mais ce n'est pas des grands changements. Et donc, on n'a pas de retour d'expérience sur la capacité de ces espèces à faire face à un réchauffement important. On a vraiment un gros point d'interrogation là-dessus.